Oui, Monsieur Sylvain Maillard, vous avez la parole. Vous démarrez pour le groupe Renaissance. Allez-y. Je vous remercie. Deux minutes. Je vous remercie, Madame la Présidente. Mes chers collègues, cette proposition de loi présentée par le groupe Liotte est un coup de com' politique. C'est une arnaque. Une arnaque car elle cherche à faire croire aux Français que la loi promulguée il y a seulement quelques semaines pourrait être mise en question. Tout le monde sait dans cette salle que jamais cette proposition ne sera votée au Sénat. Tout le monde sait dans cette salle que cette proposition est inconstitutionnelle. Les charges induites par l'article 1er de ce texte s'élèvent à 18 milliards d'euros par an. Le président de la Commission des finances doit être le garant de l'article 40. Or, il ne s'est pas comporté comme le gardien de l'ordre constitutionnel qu'il doit être, mais comme un militant politique. Quant à Monsieur de Courson, où sont passés vos grands principes de résistants portés par votre famille quand vous courtisez ouvertement le Rassemblement national pour obtenir leur faveur ou leur vote? Où sont passés vos grands discours sur l'âge de départ à la retraite à 65 ans? Vous étiez pourtant, dans cet hémicycle, dans cette Assemblée, une référence de rigueur budgétaire, y compris pour moi. Le gage tabac à l'article 3 pour compenser les 18 milliards d'euros de charges supplémentaires est illusoire et irrecevable, comme l'a souligné le rapporteur général du budget. Quel est votre objectif? Que les Français fument 5 fois, 10 fois, 20 fois plus pour financer leur retraite? D'ailleurs, dans l'article 2, mes chers collègues, votre texte renvoie à une conférence de financement pour, entre guillemets, équilibrer le système. Donc vous ne proposez aucune solution. Aucune solution. Aussi, soyons sérieux. Nous ne sommes pas dans un théâtre. Arrêtons de jouer avec notre modèle social auquel les Françaises et les Français sont si attachés. Le seul texte qui garantisse la pérennité de notre système de retraite et le niveau de pension est bien la loi promulguée le 14 avril dernier. Je vous remercie. Merci bien. Mes chers collègues,